Sur la chaîne Les Oracles d'Or, alors j'ai eu le ressenti aujourd'hui d'aller chercher mon grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc quand j'ai ce ressenti, c'est qu'il a sûrement des choses à dire. Qu'est-ce que peut nous dire le grand jeu de Mademoiselle Lenormand pour la situation en France? On va voir si réellement il a des choses à nous dire ou pas. Voilà. Alors, 2 de trèfle dans la coupe l'argent. L'argent, et là ça peut parler des écoles, des enfants, de l'emploi. Plus précisément, les écoles. Moi, cette carte, elle me fait penser à l'école. Alors, de l'argent et les écoles. Alors, que peut nous dire cet oracle sur la situation en France? Ah ben là, j'en ai pris 2. Bon, on verra. Alors, là, ça nous parle d'une victoire, d'un triomphe, le signe du lion, un conquérant. Alors, on va déjà... Là, ça nous parle de danger, ça nous parle de tromperie, d'abus de confiance, de vol. Donc, tout ce qui est abus de confiance, tromperie. Là, on a un personnage... un personnage avec des mauvais penchants. Ça peut parler des dépendances. Là, vous voyez, il y a quelqu'un qui... un homme avec des bouteilles d'alcool. Ça peut parler de dépendance. Sinon, c'est une carte de vice en général. Hein. Et dessus, j'ai mis les enfants. Alors, enfants, dépendance, est-ce que ça parle de médicaments? Est-ce que ça parle de traitement? Je ne sais pas. La campagne, alors pendant des vacances. Ça c'est une carte qui parle de campagne, de repos. Donc là, on nous signifie des vacances scolaires. Donc là, les prochaines, ce sera Pâques. Donc il y a quelque chose par rapport aux vacances scolaires. Je continue. Des nouvelles. Alors, des nouvelles par rapport aux prochaines vacances scolaires des enfants, mais ça risque de ne pas plaire. Ça parle de tout ce qui est les mauvaises habitudes de vie. Voilà, je cherchais les dépendances. Donc, je ne sais pas ce que ça peut être. Et là, c'est le cheval de Troie. Donc, c'est des tromperies. Hein, c'est voilà, c'est les choses qui sont faites en douce. Il y a quelque chose, des nouvelles qui vont donc... pas plaire, dont il faudra se méfier, qui concerne les enfants pour les prochaines vacances scolaires. Donc là, je dirais Pâques. Alors, je vais en remettre encore une. Mais bon, ça va batailler. Là, il y a un champ de bataille. Dans ce sens-là, c'est aussi la déprime, c'est l'apathie. Donc, dans ce sens-là, c'est aussi des gens qui vont être déprimés, qui ont peut-être plus... Alors, il y a des gens qui se battent et puis il y en a d'autres qui n'auront plus envie de se battre. Mais ça nous parle quand même d'un champ de bataille. Donc, c'est quelque chose qui va faire que les gens vont vouloir se battre. Là, il y a quelqu'un de malade. Donc, ça a quand même attrait au sanitaire. Hein. Donc, des nouvelles par rapport aux prochaines vacances scolaires, les enfants. Et ça va encore pas plaire. Alors, je vais quand même en mettre une parce que c'est... Bon, là, ça parle de gens seuls. De gens seuls, isolés ou de femmes... Bon, c'est une carte qui peut parler de solitude ou d'une femme seule, veuve ou divorcée. Alors, vraiment, quelle est l'action d'une femme par rapport à ça? On va voir ce que le reste du jeu nous dit. Là, c'est à côté d'une carte qui parle de danger. Là, de danger, de vol, de tromperie, d'abus de confiance. Et là, c'est des mauvaises nouvelles encore, là, dans ce sens-là. Il y a quelque chose par rapport aux enfants à venir sur les mauvaises nouvelles. Et là, ça nous parle d'argent. Et dans la coupe, rappelez-vous, ça nous parlait d'argent aussi et des enfants. Il y a quelque chose par rapport aux enfants et à l'argent. Est-ce que c'est les aides? Est-ce que c'est les aides d'allocation? Faudrait continuer là. Ça, c'est pas bon du tout non plus. Hein. Le scorpion, c'est le danger. Là, c'est des personnes en uniforme, des hommes de loi. Là, ça se bagarre. Il y a quelque chose qui va concerner l'argent, en tout cas là. Mauvaise nouvelle. Alors, à moins que là, ça ne parle pas des enfants. Là, c'était là. Donc là, il y a vol, perte, tromperie, hein, entourloupe. Mauvaise nouvelle par rapport à de l'argent et des choses qui ne vont pas plaire. Les gens vont vouloir se battre. Bon, alors, qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est quelqu'un de célèbre. Ça, c'est la célébrité. Donc, bon, on va en entendre parler. Alors, ça peut toucher aux aides familiales ou quelque chose concernant l'argent, les enfants, les aides familiales. Attention aux aides, aux allocations. Quand je dis aides familiales, les allocations. Là, et là, on nous situe quelque chose au moment des vacances de Pâques. Alors,
façon, d'ici là, les jeux en reparleront, hein, s'il y a quelque chose. Alors là, on avait un conquérant, mais les résultats se font attendre là, hein. Il y a des gens qui se battent, il y a, voilà, des conquérants, mais par contre, c'est le résultat n'arrive pas. Je vais continuer sur cette ligne. Par contre, là, ça nous parle de ce qui n'arrive pas, ça parle d'action en justice. Donc, il y a des gens qui se battent, hein, mais les résultats sont longs à arriver. Et c'est par rapport à des actions en justice. Donc, c'est vrai qu'on l'avait remarqué. Mais on a le 8 de trèfle qui arrive, qui est une bonne carte. Ça, c'est une bonne carte qui arrive dessus. L'alchimiste, il arrive à transformer son plomb en or. Donc, il y a une bonne carte dessus. Donc, ça veut dire, ne perdez pas espoir. Les gens qui se sont battus, qui attendaient des résultats, qui tardaient à arriver au niveau d'action, hein, juridique, en justice, il y a une bonne carte dessus. Donc, ça arrive, ça vient. Alors, bon, on l'a vu dans plusieurs jeux, hein, ça peut parler des aides-soignants, ça peut parler... Alors, je vais voir sur ce que, justement, la bonne carte, là, si ça peut nous en dire plus. Eh ben oui, ça nous en dit plus, parce que sur la carte de réussite, hein, par rapport à tout ça, on a l'éloignement de quelqu'un de mauvais. Hein. Ça, c'est une carte qui parle d'éloignement d'un rival, hein, quand il est question de rivalité. Donc, c'est une carte qui dit que quelqu'un de négatif s'en va. Donc, on a bien résolution des problèmes après des retards, hein, au niveau d'action en justice, avec une carte positive et quelqu'un de dangereux, de négatif, un rival qui s'en va et qui s'éloigne. Bon, donc là, c'est bon. Là, par contre, c'est bon. Alors là, on nous parle d'un homme, roi de carreau, d'origine étrangère, ou un homme dans les affaires, un commerçant, il y a une réussite. Alors, un homme à l'étranger, une réussite. Là, c'est le champ de bataille, encore une fois, on négocie. Là, c'est des négociations. Alors, on va recouvrir. Ah oui, là, il y a un homme. Il y a clairement un homme, hein, parce que c'est la carte du consultant. Donc, on nous dit qu'il est d'origine étrangère, un homme d'affaires. Et là, dans ce sens-là, ça veut dire qu'il y a un résultat positif qui arrive, un triomphe. Et cet homme est important parce qu'il est appuyé par la carte du consultant. Alors, on va continuer. Et c'est toujours le même. Alors, vous qui suivez mes jeux, c'est toujours la même carte. On a ce soldat sur son char qui triomphe, qui a son ennemi à terre, et dans ce sens-là, ça appuie sur l'idée de triomphe. Donc, on a bien un homme, on a bien un homme, là, bon, il sort régulièrement, là, hein, maintenant, hein, vous avez vu, ça se rapproche, hein, qui est d'origine étrangère dans les affaires, et là, il y a le triomphe qui arrive sur lui. Allez, on en met encore une. Succès en affaires, pareil, succès en affaires, donc, c'est au niveau argent, commerce, affaires, un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui triomphe, mais il serait possiblement d'origine étrangère. Triomphe. Alors, on en met encore une. Et alors là, c'est la chute d'une comète. Donc, ce triomphe, il est aussi par rapport à des personnages mauvais, négatifs, qui chutent. Hein, avec la... On l'a souvent aussi, ça. C'est des gens qui chutent de leur piédestal. Donc, ils triomphent vraiment de l'adversité. Cet homme, alors, je ne sais pas qui c'est. Là, c'est difficile de savoir. Mais on appuie sur le monde des affaires. Hein, donc, c'est peut-être au niveau commerce, argent. Voilà. Alors là, on a les familles. Une carte qui nous parle de la famille. Alors, les familles, qu'est-ce que ça veut nous dire? Femmes. Les familles, les femmes. Ou une femme. Danger, voilà. Encore des dangers, hein, des attaques entre guillemets, des dangers sur la famille, encore une fois. Donc là, ça rejoint ce que ça nous disait ici. Là, c'était des questions d'argent. Là, c'était bon, hein, les choses qui se débloquent. Et là, il y a cet homme. Alors, cet homme, il sort du côté du souci qui est fait pour les familles. Hein, donc, on va essayer d'en savoir plus. Roi de cœur. Bon, il y a des protections. Il y a des personnes bienveillantes. Hein. Roi de cœur. Donc, il y a des gens qui vont défendre la famille, là. Ah, c'est à côté de ça. Bon, est-ce que c'est un lien? Je ne sais pas. On va continuer. Roi de cœur, et ça, c'est bon, c'est une bonne carte en principe. Ça parle d'union, de réunion, hein, ça peut parler de mariage dans un tirage sentimental. Mais là, c'est des nouvelles qui arrivent. Bon, alors, il y a en tout cas des personnes de bonne volonté. Il y a une certaine alchimie. Alors ça, ça peut être un homme en particulier, le fameux roi de cœur, là, dont on voit souvent, les cartes nous en parlent souvent. Et là, il y a abus de confiance. Donc... Il y a un homme là qui va se mettre en barrage peut-être par rapport à ce qui est fait contre les familles. Parce que là, il y a une bonne carte sur lui. C'est par rapport aux abus de confiance. Alors, est-ce qu'il va démasquer? Est-ce qu'il va...
révéler des choses. Et là, on est encore par rapport aux enfants, l'école, quelqu'un, il étudie. C'est comme si quelqu'un étudiait, là, on voit un homme attablé, là, dans une bibliothèque. Eh oui, alors là, d'accord. C'est un homme qui étudie, qui travaille sur les abus de confiance, donc tout ce qui est fait en tromperie, qui... C'est positif, hein, c'est un roi de cœur, un homme de bonne volonté par rapport aux familles. Donc il y a des gens qui travaillent, hein, il y a des gens, donc là on le voit, hein, plusieurs hommes même, hein, là il y en avait un avec un triomphe, là il y a roi de cœur, donc il y a vraiment des gens qui travaillent à ça. Alors ça peut être, je ne sais pas moi, hein, des avocats, des hommes d'État étrangers, là on ne peut pas savoir, hein, roi de cœur c'est vaste. Mais il travaille, il étudie la question, plusieurs hein, d'ailleurs. Et là, il avait comme, il y a un homme qui a quand même un grand succès là. Donc je vais essayer d'en remettre une hein, sur la chute de la comète là et la réussite. Donc il réussit, hein, il y a toujours victoire sur les ennemis, sur l'adversité. Alors c'est vrai, c'est long, hein, on ne voit pas les choses venir. Mais là, il y a quand même bien éloignement d'un rival avec les, en tout cas d'un personne, de quelqu'un. Personne négative, avec les choses qui vont enfin bouger là, sur tout ce qui était combat devant la justice. Et là, les questions d'argent, donc j'avais dit attention aux aides familiales, aux aides d'allocation plutôt, et quelque chose concernant les enfants, prochaines vacances, là, ouais, qui va encore pas plaire. Alors, je vais essayer d'en savoir plus. Oh, la procès, ah, bah, de toute façon, ça finit. Alors là, ça finit carrément. Par un procès, mais là c'est dans ce sens-là, ça peut être vraiment des arrestations, hein, parce que là il y a la grille. Donc cette histoire-là, alors on va reprendre du début. Alors ça c'est les dépendances, tout ce qui est mauvaises habitudes de vie. On a les enfants, on a la campagne, le repos, donc les vacances scolaires, les nouvelles. Là on a la maladie, un homme malade, les choses qui sont faites en ruse, hein, la ruse, hein, le cheval de Troie. Donc la déprime, hein, les gens qui, bon, la déprime, qui doivent se battre. Donc c'est des choses concernant bah, des peut-être mises en place hein, par rapport aux enfants. Mais là on a un homme, alors peut-être un homme seul. Là ça nous parle d'un homme célibataire, de personne seule ou d'une femme seule. Enfin, là c'est difficile à savoir. Plutôt un homme seul, mais il y a un procès. Donc il y a quelqu'un qui va avoir des problèmes en justice par rapport à tout ça sur cette ligne. Et là, c'est un grave procès, hein, c'est quelque chose d'important. Et c'est des écrits, il y a une réussite dessus et c'est des écrits. Là, on va entendre parler, mais ça va être par écrit. Ça, c'est une bonne carte, le 4 de trèfle. Donc, il va y avoir des... On va entendre parler là de quelqu'un peut-être d'arrêter ou qui aura des graves problèmes par rapport à toutes ces histoires-là qui concernaient les enfants. Alors, c'est vaste, hein. C'est vaste, on a une femme qui écrit, donc ça parle des écrivains. Et là, ça parle d'un commerçant. Alors, alors ça peut être des contrats. Ça peut être des contrats hein, avec quelque chose d'écrit et des commerçants, des contrats qui vont jouer dans ce procès-là. Ce procès va mettre en lumière des contrats. Là, ça parle de commerce. Ça parle de commerce. Donc, on va peut-être entendre parler de contrats qu'il y a eu au niveau des affaires hein, financières. Voilà, donc, mais là, il y a un procès. Bon, alors, on en a su un petit peu plus quand même. Il y a eu pas mal d'informations, ce serait intéressant de creuser ça. On le fera peut-être dans un prochain tirage, là, parce que je ne peux pas mettre trop de cartes. Mais, ben, voilà, c'est les messages du grand jeu Lenormand pour aujourd'hui. Mais bon, on en refera d'autres. Donc, ben, je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.